bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Salut le farmer, salut Entreprise Family, salut Pascal, salut à tous et à toutes, salut le farmer du 62. Comment allez-vous les amis? En ce dimanche matin, voilà, j'ai pas mon acolyte avec moi puisque il était pas dispo aujourd'hui. Il reviendra la semaine prochaine, voilà, donc on se retrouve sur la ferme du Levezou. Voilà, merci pour les 20 pouces bleus, merci à vous d'être là, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. On se réveille tranquillement, tout en douceur. Salut mon petit Pascal, comment tu vas? Regardez, salut Antoine, on a le petit café, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté. Salut Emilien, salut Johnny, salut Rudy, salut mon petit Cyril, salut Flo, salut mon petit Romain, comment tu vas? Bonjour, 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 on se réveille, tranquillement, salut mon petit Jérémy Cheva, comment tu vas? Salut William, salut William, salut, salut à tous et à toutes. Fin des semis ce matin, ensuite on va aller, normalement si tout va bien, mettre du fumier on va libérer un peu la fosse à fumier parce qu'elle est pleine. Salut Arnaud, salut à tous et à toutes. J'espère que tout va bien, que le son est bon, que vous m'entendez bien. Voilà, le petit café est là, tranquille, le petit café du matin. Voilà, map magnifique encore de MA7. Voilà, bonjour Arnaud, comment tu vas? Allez, on y va sans plus tarder. Salut Aurélien, j'espère que la musique est bonne, enfin que vous entendez bien le son de la musique et que vous entendez bien le son du jeu aussi. Je vais monter un petit peu, voilà. J'ai pas mis Discord puisque du coup... salut Aurélien, comment tu vas? Mon ami Marsupami est pas là ce matin, donc voilà. Donc du coup, on est solo aujourd'hui, mais j'espère que ça va vous plaire, voilà, et que vous mettrez un max de pouces bleus et que vous continuerez à vous abonner par nombreux, parce que vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne. Salut mon petit Vader, salut mon petit Gigi, comment tu vas? Donc on va mettre la scène de jeu, comme ça au moins je me ferai pas avoir. Voilà, la scène de jeu est là, on est sur le John Deere. Fin des semis de céréales ce matin. Et salut Benoît. Salut Benoît, salut mon petit Tom. Salut cette aurait pu garder l'ancienne heure. Ah oui, c'est vrai qu'on a changé l'heure ce matin, fait une heure de plus de l'aide. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu, ouais. Non, non, non. Tu as vu, j'ai fait un effort de... Bah, merci, mon petit Vader. Merci à vous. Merci à vous d'être là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez pu dormir une heure de plus. Voilà. Moi, ouais, j'ai fait une sieste, tranquille. Juste de passage, Aurélien. Ben, ça va, merci, et toi? Merci de passer, merci de mettre le pouce bleu. Voilà, merci de vous abonner aussi. Merci bien sûr aussi à tous ceux qui prennent avec mon code partenaire. Voilà, merci à vous, ça fait vraiment vraiment plaisir. On est, je le dis, je le redis, mais on est vraiment vraiment un chouïa du bronze. Donc ça c'est cool, voilà, ça c'est cool. Allez, on y va. Fin des semis avec le 6210, bien sûr. Magnifique tracteur. Salut mon petit Jean-Pierre, comment tu vas? Donc oui, c'est vrai qu'on a pu dormir une heure de plus aujourd'hui, ça c'est cool. Et ça c'est cool, hein? Franchement, hein? Oh, c'est cadeau. L'heure d'hiver. Salut Régis, comment tu vas? Du coup, on va repartir par là. Normalement, il va faire la trace de roue ici. Et je la veux pas ici, mais c'est pas grave. Alors, on va faire ça, vous allez voir. Voilà, 1, 2. Attendez, je réfléchis. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Faut réfléchir, hein. Du coup, c'est un peu la merde des fois. Attends, oui, c'est bon, il y a le pont, il y a tout ce qu'il faut. Salut mon petit Clément, comment tu vas? Comment allez-vous les amis en ce dimanche ce matin? C'est vrai que vous avez pu dormir une heure de plus et ça c'est cool. Ben ça c'est bien, c'est bien. Alors attendez, je vais régler le régulateur. Je vais régler le régulateur, ça m'évitera, voilà, 12. 12 c'est bien pour semer à 12, c'est bien. 10 même, c'est mieux pour semer à 10, voilà. Comme ça c'est plus cool. Il va moins vite. On a le temps ce matin, voilà. Salut Clem, comment tu vas? Comment allez-vous les amis? Donc fin des semis, voilà, après mais écoutez, les activités ne vont pas manquer, il y a de l'herbe qui est prête, hein. on peut refaucher pour faire de l'enrubanage, il y a de la vente, mais on vendra ça avec mon acolyte Marsupami, la luzerne, on la vendra la semaine prochaine, il y a le roulage et céréales à faire, le champ là est quasiment fini, mais il faut quand même le faire,
et il y a celui-là à faire aussi. Vous voyez, il manque pas d'activité. Et ensuite, on va aller amener du fumier dans une parcelle d'herbe juste à côté en bas. 79 000 euros. On est bien au niveau argent, on est bien. On a le crédit à payer, bien sûr, au mois de novembre. Hein, donc voilà. On payera le crédit au mois de novembre, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, ça roule tranquille. Hein, les activités d'automne sont là. Dites-moi un petit peu si vous avez commencé à semer ou pas. Par chez moi, c'est aléatoire. Il y en a qui ont commencé. Salut mon petit Nico FS, comment tu vas? Il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont fini, et il y en a qui n'ont pas commencé du tout. Voilà. Il a sacrément plu par chez moi, donc la semaine dernière. Donc du coup, c'est vrai que ça, voilà, les champs sont détrempés et c'est compliqué de rentrer dans les champs, quoi. Donc voilà. Donc il y en a qui ont commencé, il y en a qui n'ont pas commencé, go, voilà. Donc cette année, ça va être des semis un peu céréales tardives, quoi. Alors, je suis malade, les gars, encore une fois, hein. Désolé, hein, mais... C'est vrai que j'ai une voix de merde, hein. J'espère que ça s'entend pas trop et que ça passe. Hein. Voilà, en tout cas, merci à vous, voilà, d'être là tous les dimanches matin, nombreux. Et merci pour les pouces bleus. Il y avait plus de 20 pouces bleus d'entrée, donc c'est cool. J'espère que la série, voilà, elle vous plaît. On essaie de jouer au plus près de du réaliste. Du réalisme, réalisme, voilà. Oh, GG, mon petit Théo. Merci du fond du cœur, mon poteau. Merci, merci beaucoup pour ton don de 3 euros. Merci à toi. Ça fait plaisir, voilà. Merci à vous. Merci d'être aussi généreux. Bien évidemment, merci à vous, voilà, d'être aussi généreux. Et sachez, ça me touche énormément. Et vous êtes nombreux aussi à prendre le DLC là, qui va sortir au mois de novembre avec mon code partenaire. Et grâce à vous, parce que c'est grâce à vous, voilà, je vais passer bientôt en bronze. Et jamais de la vie, je pensais arriver à un tel résultat quand on a commencé l'aventure. Voilà. Et c'est vrai que je le dis, je me répète souvent, mais merci à Papa Valaisan de m'avoir... Oh, mais merci mon petit Nico, un an que je suis membre, ouais, merci. Merci, bon anif mon poteau, merci. Et franchement mon petit Nico, j'espère que tu auras l'occasion un dimanche matin de venir avec nous sur la série. Je te donnerai les modes tu viendras jouer avec nous. Voilà, tu le mérites, hein, et merci du fond du cœur. Et j'espère que tu accepteras mon invitation. On n'arrive jamais à se trouver, mais on va essayer de faire un effort, voilà. Quand tu auras ton PC, ouais exactement, voilà. Et oui, donc dès que tu as ton PC, tu me le dis. Et tu viens jouer avec moi et franchement y en a pas un qui suit les gars. Et alors c'est honteux. Yeah, hey, ce boire est vide, mon dieu. grave et on refera une partie abonnée les amis, ne vous inquiétez pas, ça vous plaît énormément. On fera ça, on va essayer de trouver un moment pour le faire. Voilà, je suis désolé. En ce moment, je suis en train de monter mon garage. Je vous ai déjà mis des photos sur Insta du terrassement, etc. etc. Mais là, on a commencé à le monter hier avec mon Rome. Mon meilleur ami Rome, voilà, qui je remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été là. Mon petit frère aussi. Et c'est du boulot, je vous dis. On a commencé à le monter, mais c'est chaud, ouais. C'est chaud. Oh, salut le curé de Camaret, merci du fond du cœur. Merci vraiment du fond du cœur, les amis. GG à vous, voilà, vous êtes des amours avec moi. Voilà, et merci du fond du cœur, mes amis. Merci, mon curé de Camaret, j'espère que tu vas bien. J'ai un souci, je crois que j'ai pas de semence. Eh ben ouais. Donc on va... Alors ce qu'on va faire, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. On va faire F10. On va faire F10. Produit à la ferme, semence 1, 2. Attendez, je vous vois venir les gars, T'as dit payez pas les semences. Si. Ne vous inquiétez pas. Non, attendez, c'est là. Big bag, combien ça vaut? 9,9, 18. Allez, hop, F10. On va faire ça. Ça, 1800 euros. Voilà, elles sont payées.
Et c'est plus rapide, hein, je suis désolé, mais voilà. Salut Johnny, comment tu vas? Bravo pour le réalisme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais regarde, le réalisme, il y est pas, mais j'ai quand même payé ma semence. Voilà, tu vois, donc c'est à demi vrai. Et c'est honteux. Je me le prends pour moi, ça va, je me le prends pour ma gueule, c'est bon. Arrêtez où je boude, hein. Ça suffit, hein. Stop, hein, les conneries, hein. Oh, hein, arrêtez un peu. Salut Philippe, comment tu vas? C'est ça, voilà mon petit Vader, tu as entièrement raison. On se calme. Oui, hein, mon modérateur préféré, mes modérateurs préférés. Mettez-le haut là un petit peu là. Oh, oh, oh. Faites la loi un peu là. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça, mes modérateurs, ils ont trop dormi. Ils sont à la rue. Merci, merci à vous les modos parce que je le dis jamais vraiment. Si, je le dis souvent, bien sûr, mais. Merci à vous d'être là et tous les dimanches et à chaque fois qu'on fait des lives, vous êtes là et vous gérez le chat d'une main de maître, donc ça permet moi d'être tranquille et de pas m'en occuper et voilà, et ça se passe bien et ça c'est génial, donc vraiment un max de GG pour les modérateurs, franchement ils font un travail formidable bien évidemment et voilà, donc je dis on refera des lives, ne vous inquiétez pas, abonnez sur on fera ça et et j'avais dit qu'on le ferait avec les consoleux, on le fera avec vous les consoleux, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas trouvé vraiment le temps pour le faire, sinon voilà, on essaiera, voilà. Au mois de novembre, voilà, je suis un peu plus cool, je fais que 12 nuits, donc on devrait arriver à trouver un moment vraiment... Eh les gars, rendez-vous mercredi soir, allez, mercredi soir pour le live abonné, mercredi soir. Est-ce que ça vous dit? On se fait un live abonné mercredi soir? On prend la map d'origine. Mercredi soir, 21h30. Et on se fait un live abonné. Allez. Je travaille pas mercredi. Moi, je reprends. Let's go. Eh ben allez, let's go. On fait ça mercredi soir, les gars. Voilà. Allez, vendu. Et c'est chill, hein. On fera. Je sais pas ce qu'on fera, mais. Mais on s'en fout. On s'amuse entre nous pendant une heure et demie et voilà. Ça vous dit ou pas? Si ça vous dit, c'est vendu pour mercredi soir. Attends, dimanche, lundi, mardi, mercredi soir, ouais. Chiche, même pas peur. Ouais, même pas pour. Même pas peur. Ah, allez, ouais, vendu. Vendu pour mercredi soir, les amis, voilà. Et on fera un turnover, voilà, j'essaierai d'avoir les potos avec moi. Mon petit Vincent, mon petit Romagri, voilà. Ça te prend. Ouais, comme une envie de chier, mon petit Jean-Pierre. Ah, mais c'est ça qui est bon, les gars. C'est ça qui est bon, non? Vous croyez pas? Écoutez, je travaille pas mercredi, je suis à la maison. Je pense que j'aurai fini de monter mon garage. Je serai un peu plus tranquille. Merde, j'ai aquaponé mercredi. Oh putain, merde, Régis, tu fais chier. Oh, décale-le, bouffe-le le poney, mille dieux, bouffe-le. Petit poney ou petit âne gris? Parce que c'est pas pareil, hein. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu vas connaître la chanson. Ah bon, ça va. Tu as fait comme ça le garage. En fait, j'ai acheté un garage, tu sais, comme un abri de jardin préfabriqué en tôle. Et hier, avec mon Rom et mon petit frère, on a fini de monter toute l'ossature. On a monté les tôles de derrière et les tôles de par côté. Et là, il faut que je finisse vraiment de monter les tôles complètes, tout le tour. C'est du boulot, quoi. Donc, ça se fait pas comme ça. Jiffy, t'es en live mercredi dans le... Ah, merde. Et non, je peux pas, vendredi soir, non, je peux pas.
Eh bien, mais c'est... Alors, on va voir, parce que si Monsieur Gifit est en live, on va pas faire de live, les gars. On verra avec lui. On verra avec lui, je verrai avec lui. Vous verrez la miniature dans son Insta, si jamais je le fais ou pas. C'est vrai que si Jérémy est en live, vous savez qu'on ne marche pas, on fait pas de live dans la Farming Family. Quand les autres sont en live, on fait pas de live. Hein, donc voilà, on s'arrange entre nous, mais si on peut pas s'arranger, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on trouvera un autre moment. Moi, je m'inquiète plus, moi, tu sais. Ah oui, en plus, il y a la série mercredi, c'est le live de Stervio et de Gifit. Alors non, ouais, non, on va pas faire de live mercredi, hein, on va pas les embêter, on va les laisser tranquilles, voilà. J'ai que mercredi cette semaine, donc... mais bon, la semaine prochaine et la semaine d'après, j'ai plus de temps libre aussi, donc ne vous inquiétez pas, on trouvera... Ouais, vous faites bien de me le rappeler, parce que moi, j'ai un cerveau de poisson rouge, hein. J'ai fait le tour du bocal, hein, donc c'est pour ça. C'est pas grave, les amis, on trouvera un autre moment, vous inquiétez pas. Ouais, non, non, mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on trouvera un autre moment. On trouvera un autre moment, ne vous inquiétez pas, les amis. En plus, on doit être invité normalement sur la série, alors je sais pas trop quand, mais voilà, on va pas... Non, non. J'avais pas capté, ouais, qu'ils étaient en live mercredi, c'est vrai. Et j'ai la musique à fond dans les oreilles, les gars, je vous dis. Excusez-vous. Salut mon petit Sébastien, comment il va? Comment allez-vous, les amis? J'ai dû partir, quoi? Chercher les... Ah! Ah! La... Salut Maxime! Ouais, je perds la mémoire, ouais, dans mon petit Théo, mais... ouais, non, mais... Mais voilà, ouais, tu sais, moi, j'ai fait le tour du bocal, hein. J'adore ce 6000... J'adore ce tracteur, en plus, franchement. Franchement, pour semer, il va bien, hein. Donc on va essayer de réussir les céréales, quoi, hein. C'est important. Oh, ah oui, j'ai pas changé là, normalement au mois d'octobre, vous savez. Salut Jérémy. Au mois d'octobre, on passe, normalement on aurait dû passer à la semaine d'après. Mais comme la fin du mois c'est mercredi, attendez, je baisse un peu la musique parce que sinon je suis obligé, j'ai l'impression de m'entendre gueuler. Alors que pas du tout, mais normalement voilà. Exactement mon petit Théo, non mais tu sais, j'ai fait le tour du bocal et après j'ai oublié. Donc du coup, voilà, mercredi. C'est le début du mois de novembre, donc j'essaierai, je vous promets rien. Parce qu'à chaque fois que je dis, je vais sortir un épisode le jeudi, mais je ne sors pas par manque de temps pour le moment, donc je suis désolé. Mais j'essaierai de vous sortir un épisode, et comme ça on payera les factures, parce qu'il y a des factures à payer, donc du coup, voilà. Et il y a le crédit à payer, donc voilà, il y a de l'accéléré, il y a pas mal de choses. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, et je suis désolé. Mais voilà, j'ai vraiment pas, à ce moment, j'ai vraiment pas le temps. J'ai eu une grosse fin de mois d'octobre, là, j'ai travaillé, j'ai fait, ben, c'est simple, j'ai fait 8 nuits en 10 jours, pas compliqué, voilà. Donc, voilà. Oh, voilà, tu vois, voilà, c'est compliqué, quoi. Normalement, c'est pas toi qui fais le tour du bocal, normalement, c'est... Oui, je connais la personne qui a les... Hey, écoute. Le poisson rouge, tu vois, c'est un bon animal de compagnie, tu vois. Voilà, bon. On va dire qu'il est silencieux. Ah là là, pas là, ce scène, hein. C'est honteux, hein. C'est honteux. Ah ouais. Ah bah, bordel de bon Dieu, de bordel de merde. Ah ouais, quoi, putain. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu, celui-là aussi. Il faut que j'en mette d'autres parce que j'adore ce truc. Et faut vraiment que j'en mette l'autre. Oh mais on est pas mal, regardez. Hop là, on redresse un peu. Finalement, vous voyez, à 10 km/h, hop, on tourne à 22. Hop, marche avant, marche arrière. Hop là, voilà. Franchement, c'est sympa. Je touche plus les pédales là, quoi. Putain, je pourrais jouer à farming même si je me casse une jambe. C'est un truc de fou, hein. Salut Benjamin, comment tu vas? Purée, mais roule droit, scène quand même, merde. Comment tu vas?
Alors, tu vas jouer sur la map petite fête. Normalement, non. Normalement, non. Et oui, Rome, il m'avait posé la question de savoir si je pouvais venir en live l'autre soir et je pouvais pas au travail. Donc, je pouvais le lendemain, mais je pouvais pas ce soir-là. Et bon, j'étais invité à manger, donc du coup, compliqué quoi. Complicado quoi, tu vois. Et bah, ils ont fait un bon petit live, je crois. Voilà. Mais non, normalement, non. Il y a le roleplay. Le roleplay avance bien. Vous aurez normalement, si vous êtes sage et que vous mettez 10 pouces bleus. Et que vous mettiez 100 pouces bleus lors du live. Voilà. Que, puisque maintenant il faut, faut y aller aux culottes. Et ben vous aurez le teaser dans la semaine du roleplay. Oh oh. Mais oh, les 100 pouces bleus hein. Avant la fin du live hein, vous démerdez comme vous voulez hein. Vous vous organisez hein, entre vous hein. Ouais, 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 j'en mettrai pas ma main à couper le farmer, hein. J'en mettrai pas ma main à couper, quand même. Non, non, non. Ah, non, 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 comme il dirait Rome. Non, 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 non. Non, voilà. Mais, ah, si vous voulez le teaser dans la semaine, eh ben, mettez des likes. Ou pas de teaser, voilà. Si on passe pas les 100 pouces bleus lors du live, là, pas de teaser de la semaine. En tant que maintenant, j'ai décidé que... voilà, aux culottes. Bon, j'espère que nos... Alors, vous appelez ça les Trenton, moi j'appelle ça les passages de traitement. Seront bien calés parce que... Bon, en général, je me chie à chaque fois. Mais j'ai du mal avec du 4 mètres, en fait. Hein. Avec le 4 mètres, ça me perturbe. Par contre... en 6 mètres, j'y arrive nickel, mais bon. Ah, c'est pour 3-18. Comme j'ai été un petit peu à l'école, 6 fois 3-18, j'arrive à compter. Et j'arrive à compter jusqu'à 2 déjà. 1, 2, voilà. 3, on verra demain. Hein. 3, 4, on verra demain. Hein. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Mais c'est compliqué, je trouve, les passages de roues, les passages de traitement. Salut Benoît, comment tu vas? Oui, je fais les passages de traitement, oui. J'essaye du moins, hein, voilà. Alors là, on va... Je pousse jusqu'au bout, parce qu'on arrivera à descendre et à rattraper en bas, là. Et je sais pas si vous entendez le bruit de ce tracteur, mais je trouve qu'il fait un super bruit, hein. Allez, voilà. Et, en 4 mètres, franchement... Alors, c'est le dernier champ hein, qu'on sème en blé. Cette année, j'aurais fait que du blé. J'ai pas fait d'orge. Donc, on a colza. On a blé. Voilà. Et après, on verra ce qu'on fera après. Quand on aura passé la fin de l'année. Voilà. Et puis, pas trop. C'est quoi, pas trop? Pas trop, mon GG. Pas trop quoi? C'est un peu compliqué, ouais. Tu gardes Marseille. Tu regardes. Et non, ce soir, je peux pas le regarder ce soir, Marseille. Hier, Lens, ils ont régalé, ouais, ils ont régalé, on a vu le match hier, ils ont régalé Lens, ouais. Une régalade. Salut Didier, comment tu vas? Merci à vous d'être là, ça fait vraiment, vraiment plaisir, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Important, le bruit du tracteur. Ah oui, d'accord. Je n'entendais pas trop. D'accord. Moi, je l'entends. Hein. Le son du jeu est quand même assez fort, hein, mon petit GG. Donc, alors, j'essaie de faire... voilà, c'est compliqué. Parce qu'il y a un mix à avoir entre ma voix, le son du jeu et la musique. Pour pas que ça vous saoule non plus, quoi. Et, bien évidemment, je tousse. Voilà. Donc, salut Sébastien, comment tu vas? Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, les passages de traitement seront pas trop mal. Donc, après on fera le tour du champ. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Ça va super bien, merci. Et toi? Du coup, alors oui, du coup, je disais donc...
Je disais donc, vous avez dormi une heure de plus. Donc vous êtes en forme. Tu joues avec le mode saison. Oui, 4 jours. 4 jours, pourquoi? Parce que ça fait un jour, une semaine. Salut l'apprenti mécano, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Non, je n'ai pas changé. Ouais, un jour, une semaine, je trouve que c'est un bon compromis. On avance bien, ça, voilà, ça met pas trop de temps à pousser. Les cultures sont relativement vite là. Je sais pas, après, bon, voilà. La semaine prochaine, normalement, avec mon acolyte Marsupami, on devrait normalement aller vendre des vaches. Voilà. Normalement, si tu vois bien, hein, les gars. Avec la. Comment ça s'appelle la. On fera ça tranquillement avec la bétaillère. Comme ça, au moins. Allez. Ah, on a presque fini. Vous voyez? Ça se fait pas trop mal, hein. Allez, ouh, monte là, ça monte peu là quand même. Hein. Et niveau argent, vous voyez, on est à 71 000 euros. Bon, on a un gros crédit, mais on va déjà en éliminer une bonne partie. Voilà, et après, je sais plus s'il y a du lait. On a vendu le lait la semaine dernière, mais... Salut Yann, comment tu vas? Mais, on devrait le faire. On devrait arriver quand même financièrement à bien s'en sortir, quoi. Hein. Et on est déjà au 30e live épisode. Enfin, voilà. C'est pas mal, quand même, pour une série. On va continuer tranquillement, hein. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de maps qui me font kiffer. Donc, bon, à part celle de Black Sheep, là, où je vais faire le roleplay dessus. Il y aura 6 épisodes, les gars, vous inquiétez pas, il n'y aura pas non plus énormément, hein. Voilà, il y aura 6 épisodes. Mais ça devrait vous plaire. L'idée est pas trop mal. Salut Fabien, comment tu vas? Ah, l'Ariège. Quel temps il fait en Ariège? Parce que dans l'Aveyron, on a le soleil, hein. Aujourd'hui, on a le soleil. Après, dans la semaine, il va pleuvoir comme une vache qui pisse, mais normalement, mais... Mais là, on a le soleil, ouais, aujourd'hui. On a du bon soleil. Et ouais, moi, ça, si. Il monte super bien en plus. Allez. Eh ben, ouais, regardez, on est pratiquement à la fin du champ. Après, on va le rouler. Et on finira par. Normalement, par sortir du fumier. Vous allez voir, on sortira du fumier. On ira l'amener dans une prairie. Merci. Ouais, je trouve que l'ensemble est magnifique. Amazon et le petit 6210. Il manque les nanas. Ouais, avec le soleil, ouais. Oh, de suite, mon petit Théo, quand même. Et... C'est honteux. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Ah ouais, j'aime bien l'ensemble, là. Il n'y a pas besoin de masse devant, rien. Ouais. Magnifique tracteur, quoi. Je pense que le Renault, les gars, on va s'en séparer. Hein. On va s'en séparer. Franchement, je m'en sers pas. Il fait froid. D'accord, il fait froid. Ah, tu sèmes la févrole. D'accord, ok. Oh, c'est bien. Eh bien, moi, regarde, je sème les céréales. Ce matin. Alors, on va faire un passage là. On va même en faire un plusieurs, mais il va falloir revenir à zéro. Alors, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut vraiment réfléchir. Là, il le met au troisième passage. Comme j'ai pas mis le GPS et que de toute façon, le chat est pas droit et que voilà. Il faut réfléchir, voilà. On va repartir à deux. Vous allez voir. Comme ça, au moins, ça posera pas de problème. Normalement, je devrais avoir mes traces de roue. Bon, après, on les fait avec le tracteur, hein, pour tourner. C'est pas gênant, hein, mais... Hop là! Alors, en fait, c'est un mode. Tu vois, à droite, t'as une petite fenêtre. Je sais pas si tu la vois, d'ailleurs.
Puis elle se voit à la fenêtre ou pas? Ah, peut-être pas, je vois au retour caméra, peut-être qu'elle se voit pas en fait. En fait, c'est un mode. Et mes modérateurs, s'ils veulent bien, ils vont te le mettre d'ailleurs. S'ils veulent bien, hein, parce que des fois, ils sont têtus, hein, tu sais. Au-dessus du compteur, poto. Voilà, ouais, au-dessus du compteur, en bas à droite, là, tu as le mode, en fait, en question. Je sais même plus comment il s'appelle, ce mode. Bon, pour te dire, à quel point. Alors, on voit, ouais, ok. Merci, mon petit Nico, merci. C'est un mode qui est assez réaliste, je trouve. Et c'est vrai que tu peux le régler en automatique, en semi-automatique ou en manuel. Et c'est vrai que ça passe bien, quoi. Ça fait, voilà. C'est un mode qui... Oui, c'est un mode farming qui fait ça. Tu l'as sur le modem, je crois. Hein. D'ailleurs, si, je te dis, si mes modérateurs sont adorables, et vraiment, à quel point ils sont adorables, ils vont te le mettre, le mode. Je pense que mon petit Romain Jens, il va te le mettre, le mode. Mais c'est pas dit. Voilà, tu vois. Eh les gars, pas ça, hein. Pas comme quoi. Je les connais bien, mes modérateurs, hein. Il est sur console. Ouais, je crois qu'il est sur console. Je crois que tu l'as sur console. Voilà, tu vois, hop là. On fait le passage du bord pour pouvoir tourner. Pour pouvoir tourner, voilà. Voilà, c'est tout. Et salut, mon petit Fabrice, comment tu vas? Regarde, je bosse, hein, mon Fab, je m'arrête pas. Hein. Merci d'être là, ça fait plaisir. Alors normalement là-bas ça doit être bon. Et au bout là-bas je sais plus. On va aller voir. Oh salut mon petit Alexis, comment tu vas? Comment vas-tu mon poteau? Alors j'ai un peu de mal avec j'ai un peu de mal avec les passages de traitement. Voilà, mais j'essaie d'y arriver, hein, voilà, là normalement vous voyez, on va refaire comme on a fait. Allez. Là, juste là, tu vois, au bout là. Et au moins, on est bon, quoi. Ah, si j'allume pas le semoir, on doit pas le faire, hein. C'est pas grave, parce que comme ça, au moins, j'ai le truc, tu vois, il va repartir à 1, 2 et 3. Voilà, nickel, tu vois. Oh mais non, mais faut réfléchir, hein, c'est compliqué, hein, de bon matin, hein. Hop là, voyez, on continue là, on va jusqu'au bout là-bas. Et comme ça, ça fera bien les passages de traitement et normalement on est bon, hein. Non, normalement, après, mais ça consomme vachement le blé, oh. Je sème pas à fond là-haut, hein. Et là, on aura fait tout le champ. Et normalement, on est bon. C'est bien normalement, voilà. Mais bon. Ouais, GG Alexis, merci à toi. J'ai partagé d'ailleurs sur Insta la petite ébiquette d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir. On met beaucoup d'infos sur Insta, les gars. Donc, ça marche. Merci, mon petit Fab. À bientôt. À la semaine prochaine. Il y a du boulot la semaine prochaine aussi, hein. J'aurai pas le temps en une heure de tout finir aujourd'hui, donc il y a du boulot la semaine prochaine, voilà, pareil. Tu as les ouvriers, ouais, il y a les ouvriers aussi dessus, les gars, vous pouvez mettre les ouvriers, après, moi je les mets pas, mais je trouve qu'ils font vraiment de la merde, les ouvriers sur farming, mais après, c'est un choix, voilà, c'est un choix, après, vous pouvez très bien mettre les ouvriers, bah, en face, j'aurais pu mettre l'ouvrier sur le 6R. Je l'ai pas mis, tu vois. Bon, ça sert à... C'est pas que ça sert à rien, mais si tu veux, le champ est tellement biscornu qu'il va faire de la merde. Oui, 105 chevaux la biquette, eh oui.
Travaille bien, mon ami. Travaille bien, en tout cas. Voilà, merci pour ton soutien en tout et pour tout. Voilà, tu le sais. Merci à toi, mon poteau. Je te fais des gros, gros bisous. Bon courage aussi pour ton dimanche, parce qu'il n'y a pas de dimanche, c'est le jour férié pour l'agriculture. Vous savez, ils sont toujours sur le front et toujours dans les starting blocks et toujours en train de bosser comme des malades. Voilà, et on pense voilà, fortement à vous. On vous fait des gros bisous, bien sûr. Et voilà, nous, on s'amuse sur farming et eux, ils s'amusent en vrai. Et je peux vous dire que des fois, c'est pas une partie de plaisir. Alors, quand tout va bien, on est d'accord, mon petit Alexis, hein, quand tout va bien, hein. Voilà. Et bon, on a tout fini. Salut mon poteau 187 larmes, comment tu vas? Merci à vous d'être là, les 70 personnes, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il manque 30 pouces bleus et vous avez le teaser du roleplay dans la semaine. Voilà. Regardez, il y a ça, il y a tout ça à charger. Alors, on va aller laver le... On va aller laver... Ah, je passe moi là. Waouh, mon petit Fab, il m'a mis la... Oh là là, oui, c'est bon, ça passe. Ouais, 100 pouces bleus et vous avez le... Ah là là, pardon. Vous avez le teaser du roleplay dans la semaine. Voilà. Promis. Hop, on va se mettre là, voyez. On va ouvrir la porte, là. Parce que les gens, ils disent, ils essaient, ils jouent pas réaliste. Regarde si je joue pas réaliste. Ah non, mais t'as... Eh, oh. Non, mais dis donc, hein. Allez, on va laver le semoir. Merci à vous, en tout cas. Merci pour les dons. Merci aussi à tous ceux qui, bien sûr, qui prennent, voilà, avec mon code partenaire. Je le dis, je le redis, mais c'est vrai. Voilà, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et oui, ça fait plaisir. Il est pop, les pandeurs, hein. Je vais laver. Et la biquette. On va laver la biquette. Et on va même laver la cabine avec, t'es. Allez, on le lavera plus tard, le tracteur. Tu viens de passer le vibro sur les... D'accord, sur la... D'accord. Je prends toujours exemple de... Alors, de l'ensilage d'herbe. C'est bien ensilé, mais après, il faut bâcher, ensuite débâcher. Ah ouais, ça c'est la... Ah, ça c'est le lot... ouais. Alors, à l'ensilage, les gars, il y a toujours du monde pour... comment dirais-je? Pour ensiler. Mais pour bâcher le silo, ben, y a moins de monde. Salut mon petit Vincent le paysan, comment tu vas? Comment il va l'ami? L'ami Vincent. Normalement c'était roulé, mais il y a juste l'angle là-haut, on va juste faire le tour histoire de voir un peu que voilà, il y a juste le haut là qui est pas roulé. Vous voyez, ça se voit, hop là. Alors, rouler les céréales, c'est pareil, hein. Vous savez pourquoi on roule les céréales. Maintenant, on va pas... On va pas. On peut se répéter, mais normalement, vous savez l'impact que ça a sur la céréale. On est bien d'accord. Le premier qui dit non, il sort, hein. En plus, on a un pro là, donc. Non, ok, je sors, ouais. Ah, c'est important de rouler les céréales, les amis. Bien évidemment que c'est important. Pour que la graine elle ait un maximum de chances d'optimiser et de sortir de terre. Voilà. Le petit twist. Ah! Moi, pro, Damar, Thermonastyle. Allez, vous voyez, ça se fait super bien. Et puis là, on est large, donc on a un espace de travail quand même vraiment très confortable, quoi. Allez, on va redescendre. Je sais plus ce que j'ai roulé, ce que j'ai pas roulé. Et oui, j'ai fait le tour du bocal, hein, une semaine, moi, les gars. Alors, ce qui est bien avec... Là, il faudrait vraiment pouvoir mettre le GPS parce qu'on a du mal à voir ce qu'on fait pas. Donc, c'est un peu... Voilà. Mais bon, non... Ah,
On n'est pas loin des 100 pouces bleus, hein, les gars, quand même. Hein. Ça s'embole le teaser. Hein. Ça s'embole le teaser du RP, ça. C'est 2 mois après que tu aies semé. Ouais, mais pas sur farming. Parce que si t'attends 2 mois sur farming, ça fait long, hein. Ça fait long et puis bon, ça aura poussé, tu vois. C'est un peu con, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Benoît, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bête, quoi. Mais bon, on essaie quand même d'être au plus près de la réalité. Mais bon, malheureusement, on n'a pas un jeu vraiment poussé au-delà. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ah, le 6R. Ah, oui, oui, oui. Ah, puis t'as vu, celui-là, en plus, il a le Command Pro et tout. Hein. Ah, il rigole pas, celui-là. Il est beau, celui-là. Dernière génération, hein. On se fait pas chier, hein. Ah, vous allez voir. Vous allez voir, l'histoire du roleplay, elle va vous plaire. Normalement. On voit bien. Alors, normalement, je crois que j'avais pas roulé le fond. Mais c'est tout. Je sais plus. On dirait qu'à côté, c'est roulé. Le dallage. Ah, moi, j'appelle ça le roulage. Les céréales. Simplement. Mais, ouais, après, oui, ça peut s'appeler de différentes façons, je suppose. Ah, il faut que je retrouve mes marques sur le roleplay, c'est quoi? Le talage, d'accord, oui, oui, le talage. Ah, le dallage, j'avais vu le dallage. Pardon. Le talage. Ouais, 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 le roleplay, on va essayer de faire un truc sympa quand même. Il faut que je reprenne mes habitudes. C'est ça le plus compliqué, en fait. Allez, c'est pas évident, hein. Pour voir là où tu plombes sur... Oui, sur le PDA, ouais. Ouais, mais bon... Alors, comment tu le mets, le PDA? Parce que, du coup, là, le PDA, il est en... Ouais, mais faut vraiment rentrer dans le truc, tu vois. Salut, Ciboulette, comment tu vas? Même pas dit bonjour, pardon. Et quand vous arrivez, manifestez-vous! Oh Dieu, mais... Pas possible, ça! C'est honteux! Bah oui! Ça va super bien, merci, et toi? Voyez, on aura quand même fait pas mal d'activités, bon, en lien, bien sûr, avec les semis, mais, voilà, il faut le faire. Voilà, on est obligé de passer par là, voilà. Mais bon, ça fait... Ça fait vraiment dommage que... Ah oui! Eh oui, eh oui! Mais tu sais, c'est farming, hein! C'est vrai que... Il est magnifique, ce tracteur à commande pro et tout. On est au top, hein! On a un bon petit tracteur, quoi! Salut, Anto! Comment tu vas? Ah, on a un tracteur qui a pas beaucoup roulé. Ah, il a 9 heures sur le jeu. Bon, mais on s'en sert tout le temps, hein, ce tracteur. Hein. C'est vrai que, mine de rien, bon, voilà, ça sert à rien d'avoir ces 4 millions de tracteurs, hein, on en conduit qu'un à la fois. Donc, allez, eh ben, je crois qu'on est pas mal, là, hein. Ouais, regardez, vous voyez, au milieu, c'est pas roulé. On le voit à peine, mais on le voit. Là, il y a un triangle là qui n'est pas fait. Et pourtant, j'ai de bons yeux. J'ai de bons yeux, bon Dieu. Ah, et oui, mais... Et oui, je sais, mon petit Flo. Je sais. Mais si tu vas travailler à ma place ce soir, je fais un live d'une heure et demie, 2 heures. Salut taureau. Et oui, oui, oui. Faut savoir que moi, là, après, je vais aller au lit. J'ai pas dormi, encore. Ouais, j'ai fait une sieste, mais voilà.
Salut Alexandre. Et ce soir à 20h25, je serai au boulot jusqu'à 7h demain matin. Hein. Donc je peux pas. Et puis à 81 ans que j'ai, les gars, désolé, mais la fatigue, elle est là, hein, ça fait sentir. Hein. Allez, on est pas mal. On va aller en face maintenant. Ouais, ça devrait le faire. Je regarderai ce qui me manque. Tu fais quoi comme travail? Je suis aide-soignant en maison de retraite en nuit. Autant te dire que j'ai besoin de concentration et j'ai besoin, voilà, de... Enfin, j'ai pas le choix, hein. Je peux pas, quoi. C'est pas que je veux pas, hein. Mais, c'est pas que je veux pas. Je suis bien avec vous, là. Hein. Je partirai pas. Hein. Mais le problème, c'est pas ça. Hein. C'est que, voilà, moi, après, derrière... Je vais avoir la gueule dans le pâté, quoi. Faut vraiment que je dorme, quoi. J'ai pas le choix. Eh oui. Si tu vas pas, il y aura moins de retraites à payer. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Red Bull, ça donne des ailes, ouais, aussi, ouais. Ouais, ouais, mon petit Johnny, mais non, quoi. Non, non. Et non, et non. Et non, et non. Le plaisir, c'est là avec vous, d'être là avec vous pendant une heure, et après, derrière, c'est le sérieux, voilà, c'est mon taf, c'est normal, c'est sérieux, c'est, voilà. Là, c'est le plaisir, on s'amuse, on rigole, on passe un très, très bon moment. Vous mettez les pouces bleus, hein, vous mettez les pouces bleus. Pour avoir le roleplay, le teaser du roleplay dans la semaine. Ils n'ont pas de teaser. Il faut le chier, c'est vrai, exactement. Ouais, 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 il faut le chier, c'est retraité, ouais. Mais bon, tu sais, je me dis qu'un jour, ça sera moi à leur place et je ferai pas le malin, voilà. Donc, du coup, voilà. Tu chopes parfois des papilles et les chèvres. Non, 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 mon petit Régis, ça, non. Alors, ça arrive, il n'y a pas longtemps, ma collègue, elle était en train de s'occuper d'une résidente. Et puis, je vais la voir le matin pour récupérer le Toki-Waki, parce qu'on communique par Toki quand on a besoin de s'appeler. C'est rigolo comme les enfants, tu sais. Et c'est très pratique, n'empêche. Et quand je suis arrivé dans la chambre, en fait, je voyais le lit, en fait, il y avait une bosse dans le lit, tu sais. Il y avait une résidente en fait qui était dans le lit de la dame en fait qu'elle s'occupait, quoi. C'est rigolo. À l'unité. Salut Black Mick, comment tu vas mon poteau? Comment tu vas mon loulou? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va super bien, un peu maladou, mais c'est en train de passer tranquillement, voilà. J'ai pas réussi à avoir le Covid. Même fabuleux ça. Le Covid veut pas de moi. Alors attends, moi je suis un bon et je suis retraité. Oui. Écoute, si tu es retraité, c'est que tu l'as mérité d'être retraité. Tu as travaillé toute ta vie et voilà. Et donc c'est un droit, voilà. Un droit. Non, on n'est pas à ça, moi. Ouais, la forme, ouais. Merci de passer, mon petit Black Mix, ça fait plaisir. Merci à toi. Eh ben, ça se fait bien. Allez, on va refaire un tour. On va reculer juste, hop là. Bon, je lève pas le rouleau, c'est pas la peine, mais normalement il faudrait le lever. Mais bon, hop, voyez. Là au moins ça évite de. Ça enlève les traces du tracteur. Ça calque pas. Ah, ça devient intéressant. 41 ans de travail. Ouais, ben ouais, tu vois, donc. Qui est passé limite, non, avec la réforme ou pas? Ah, la réforme des retraites. Travailler plus pour gagner moins.
c'est comme ça. Bienvenue en France. Non ? D'accord. Ah, mais... ouais, bon, après, il faut pas se leurrer, hein. Ça va pas rester comme ça, hein. Je vous le dis, moi. Tu as planté un champ de cailloux. Ouais, exact. Ça va, t'as vu, Nicole ? Je trouve que les cailloux... Bon, on en pense ce qu'on peut, ce qu'on veut, hein, les gars. Mais les cailloux sur cette map, ça fait joli. Ça fait joli. Tu vois ? C'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. C'est pas... des gros cailloux là, ouais, des gros packs de cailloux, voilà. Salut Noé. Ouais, bon, moi tu sais, l'heure d'hiver, tant que je fais pas la nuit de l'heure d'hiver, ça me va. Hein. Je pense, d'ailleurs, notamment, je pense à mes collègues qui ont fait la nuit, ouais, ça décore, voilà, ouais, qui ont fait cette nuit, enfin la nuit dernière, ils ont bossé une heure de plus, quoi, tu vois, donc voilà, quoi. Moi, je suis en maternelle. Ah, bah non, mais ça, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, ouais, moi, je suis maternelle. CP, cours élémentaire, plus 1. Je m'y plais au CP. On apprend à compter jusqu'à 3. Hein. Et à multiplier 3 fois 6, 18. Voilà. C'est tout. Après. Eh bien, on aura le temps de. Pas grand chose de plus, les amis. Hein. Parce que c'est déjà l'heure de dans 9 minutes de se quitter. Il est déjà... Ah, ça passe à une allure. Mais au moins, voilà, les semis de céréales seront finis. On sera tranquille. Il n'y aura plus qu'à amener un apport maintenant, après, d'engrais. Qu'on amènera avec les pandeurs à engrais. Et bien évidemment, la fertilisation. Hein, voilà, pour optimiser au maximum... pour optimiser maximum la céréale. Voilà. Et ça sera parfait tout ça les gars. Et vous avez 9 minutes pour mettre 12 pouces bleus. 12. Allez, allez. Ah sinon pas de teaser. Hein. Moi je... Pas de teaser. Moi j'ai 33 ans. Il t'en reste encore à faire. Hein. Moi il m'en reste 17 à faire. Mais bon, voilà, faut pas s'inquiéter, les amis. Ça va pas rester comme ça. Faut pas se leurrer. Ça va. Il y aura d'autres gouvernements et il y aura d'autres réformes. Voilà, en plus, en moins. Voilà. C'est là. Et 8 pouces bleus. Ah, voyez, comme vous voulez. Faut pas s'inquiéter, vous savez. Déjà, il faudrait déjà commencer par revaloriser un peu le travail, déjà. Payer un petit peu plus nos agriculteurs. Voilà, déjà, pour commencer. Parce que quand tu vois que... salut le simulateur de jeu agricole, comment tu vas ? Quand tu vois que les agris, ils touchent une misère et ils nous font manger quand même, il faut pas l'oublier, hein. Arrête le live quand t'auras 100 pouces bleus. Ben, il en manque 6, les gars. Allez. Ah non, non. Non. Il reste 7 minutes, les gars. 7 minutes. Ah, je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Non, non. Il faudrait, voilà, déjà revaloriser un petit peu les salaires. Déjà, le travail, parce que ça paye pas. Et surtout l'aliment... Exactement, ouais. Il y a vraiment des gros trucs à faire. Je pense que déjà, avant de toucher à la retraite, je pense qu'ils auraient dû un peu réfléchir avant dans l'autre sens, quoi, tu vois, fait le gouvernement. Parce que... Après, je critique pas. Ça doit pas être facile et je leur en mis pas la place, hein. Mais enfin, bon. Voilà. Là, ils augmentent les fonctionnaires. C'est très bien. Parce que la fonction publique, entre la fonction publique et le privé, t'as un énorme écart. Ceci étant dit, voilà, les agris, c'est pareil. Il faudrait sacrément les augmenter, quoi. C'est eux qui nous font manger, c'est eux qui, voilà, c'est grâce à eux si on mange. Hey, 3 pouces bleus.
Vous avez largement le temps de le faire, les amis. 3 pouces bleus. Allez, on va dételer le rouleau et on va atteler la benne. Bah, après, c'est vrai que tout est relatif, si vous voulez, mais il y a peut-être des choses à faire. Il y avait peut-être des choses à faire avant la retraite. Avant de toucher la réforme de la retraite. Même si peut-être que on ne sait pas. Il y a vraiment un gros trou, il y a vraiment un gros manque, il y a vraiment. Voilà, il fallait vraiment la toucher. Je sais pas. Vous savez, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas dans les finances, on n'est pas. Voilà, il y a. De toute façon, il n'y a pas assez d'actifs. Il n'y a pas assez d'actifs. Il y a trop de gens au chômage qui n'ont pas de travail et malheureusement. Et qui cherchent et qui trouvent pas. Et malheureusement, il y a plus de retraités au jour d'aujourd'hui que d'actifs. Donc ça. La balance, elle est compliquée, quoi. Tu vois ? Mais, comme je dis, on n'est pas dans les chiffres du gouvernement. On ne sait pas. Allez, regardez. Extracteur, c'est pareil. Il a lissé, hein, les gars. Hein. Oh. Ah, ah, ah. Il a le simple lissé, vous voyez ? Là. On va l'éteindre là. Voilà. Ah. Il manque 2 pouces bleus, les gars. Allez, 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 allez. A plus, mon petit Noé, merci à toi aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. On sait pas vraiment, on n'est pas dans les petits papiers et on ne sait pas ce qui se passe, au plus haut sommet de l'État, quoi. Hein. Malheureusement. Allez, regardez, la fosse, elle est bien remplie. Hop là. Ah, un pouce bleu. Allez, pouce, 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 mille dieux, pouce, pouce. Voilà. On aura le roleplay. Yes, ouais. Vous aurez le teaser du roleplay. Pas le roleplay. Vous aurez le teaser du roleplay. Se calme, mon petit Alexis, quand même. Ah, je vous dis, le teaser, il est prêt. Hein. Enfin, il est pas pris, il faut que je le tourne. Vous allez voir que le principal est fait. Par contre, mon petit Vincent le paysan, il est toujours là. Est-ce que vous avez testé? Je crois que j'ai le robot sur Campaign of Friends qui marche pas, en fait. Dites-moi si vous avez testé ou pas. Allez. Salut Christophe, super bien, merci, et toi? On recule. Il est un peu... 12 heures de travail, ce tracteur, et on s'en sert énormément, ce tracteur. Voyez, merci les gars, merci pour les 100 pouces bleus, les amis. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez testé le... Va y avoir une mage, les vaches mangent de trop, lol. Ok, super, merci. Et tu sais quand est-ce qu'elle est, mon petit Romain, la mage? Parce que, comme j'aimerais... après, pour le roleplay, les gars, c'est pas gênant. Mais j'aimerais... il marche, mais pas bien. Ouais, on est bien d'accord, hein, mon petit curé de camaré. Parce que du coup, on voit pas, si tu veux... Alors, il marche, hein, il fonctionne, il va prendre les aliments et tout. Mais on voit pas le... Tu sais, les stats se remplir. Donc, ça m'inquiétait un peu, quand même. Mais je vois que... Oui, vous aurez le teaser. Voilà. Le roleplay n'est pas encore là, hein, les amis. Hein. Ok. Salut Lincoln, comment tu vas? Hop là. Je recule un poil parce qu'à chaque fois, j'en fous partout. Là. Il faudra que je vois quand est-ce qu'il y a la mise à jour. Parce que peut-être que je vais attendre... est-ce que tu veux faire une série en bio? Non! Je sais pas, est-ce que peut-être je vais attendre d'ailleurs pour vraiment officiellement sortir le roleplay que ça fonctionne? Je vais voir. Bon, après c'est pas grave, hein, je ferai la mise à jour, c'est pas gênant, ça me retardera pas ou ça me handicapera pas. Hein. N'inquiétez pas, mais c'est vrai que je préfère que la map marche complètement, quoi, vous voyez? Mais c'est bien le robot, mais... Vive le pulvé, oui.
Mais ce IH, il est excellent. Moi, je vous le dis, les gars. Eh ben, on aura eu le temps de remplir la petite benne. Et il est 10h, les amis. Il est 10h. Voilà, on va se quitter là. Sur ça. Voilà. Allez, il restera une benne, une fourchée. Hop, on va le laisser là. Merci à vous. Merci vraiment du fond du cœur. Merci pour les 100 pouces bleus. Promis, promis. Mercredi 18h. Mercredi 18h, vous aurez le teaser du futur roleplay. Ça va être, je vous le mettrai en avant-première. Mercredi à 18h. Voilà, merci à vous. Passez une agréable journée. Très, très bon dimanche. Reposez-vous bien. Passez ben, bon courage pour le début de la semaine. Je vous dis à mercredi, du coup, pour le teaser du roleplay. Voilà, merci pour les 100 pouces bleus. Ça me touche énormément, voilà. Merci pour les dons. Voilà, merci à tous ceux qui prennent aussi avec mon code partenaire, le DLC. Bah écoutez, c'était Side Farmer 12, le geek du soleil. Passez une agréable journée, très bon dimanche, très bon début de semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bisous, bye bye.